L'Université des Mascarins, en collaboration avec HSBC, vient inaugurer le 7 avril 2022 une borne pour charge véhicule électrique. Lancement une fois à Canlevieux, après une série de discours dans la salle conférence à l'université là. Pour Madame Bonicu de la HSBC, c'est une collaboration qui est bénéfique pour Maurice. Well, HSBC at a global level has given its commitment to help clients transition to net zero. It's incredibly interesting for us to partner with the university on this research because all our measures are science-based in terms of how we look at the short and medium outlook for the transition to net zero. Docteur Ada Christian Somana, il indique à Maurice Info qu'il ben habite encore le vieux pour capable une charge de scooter électrique gratuitement. Pour bénéfique pour le monde, le pays, et puis aussi les habitants de Canlevieux. Donc si c'était vraiment l'électrique véhicule, c'est envie que charge lui à travers photovoltaïque, je ne peux pas le voir. De ce côté, M. Mian Altiloc, il dit qu'il peut bien trouver une stratégie pour une batterie usée, et faire formation aux techniciens. Oui, pour le tout électrique, mais ça a aussi un élément qui pollue, pour qu'il pollue à long terme. C'est-à-dire là, comment nous dire, l'idée, calculer pour l'avenir du commande électrique, prenant dans 10 ans, 15 ans, nous prenant beaucoup de tout roulé, hybride et électrique, nous besoin de trouver une solution pour savoir une batterie là, soit réexporte, recyclée. Le tout, l'essence ou le diesel, ce voltage 12 volts. L'auto-électrique 400 volts. Personne ne peut quand même mettre la main là-dedans s'il n'y pas de suivre un coup. Les bons pour connaître qui dans Maurice, à ce jour, il y en a 335 lotos et ben milliers de scooters électriques.